tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un haul, on va appeler ça un haul. On a fait plusieurs magasins et en gros on a mis un vlog juste avant et on vous a dit qu'on vous montrerait tout ce qu'on a acheté. Donc du coup c'est ce qu'on va faire parce qu'on sait très bien que vous adorez voir tout le temps ce qu'on achète. Et donc du coup bah, c'est ce qu'on va faire hein. C'est un peu le même principe qu'il y a retour de course en gros. On a pris ça, du slime comme dirait Thaïs. C'est du slime. En gros, c'est une espèce de valise en forme de glace et dedans il y a tous les trucs, enfin tout plein de trucs. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Moi je pense que c'est une bonne idée de cadeau, ouais. De Noël ou quoi, tu vois. Genre, ils peuvent mettre des petites perles et tout dedans, c'est trop bien. 22 euros. Enfin, 22 et quelques. Je peux parler aussi, vas-y, c'est là, en chacun. Non, je te laisse faire. Non, s'il te plaît. C'est chiant. On a acheté une tutu de bolis, parce qu'en fait, pour les bébés, on sait jamais quoi acheter. Et comme on achète à Thaïs, on achète à Ezio, en fait, c'est une... Une voiture ambulance. Oui, mais je veux dire, c'est une obligation qu'on s'est mise. Et donc, du coup, c'est en gros une ambulance. Avec voilà. T'aurais mieux fait de pas l'allumer, je crois. Voilà. Tout simplement. Les 7 euros. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est dans les 7 euros. Et on a sur le jeu, on a une application qui s'appelle Moulou. Non, une application. Poblo en double jeu. Ah, c'est quoi déjà? Ton télé il est pas là? Mais j'ai plus de batterie. C'est une application avec plein de jeux, des jeux de société ou même des jeux genre en mode les fléchettes et tout. Et on fait que de jouer à ça avec ma soeur et du coup, bon, on l'a acheté. Désolée, c'est Prudence qui fait des siennes. Oui, il doit y avoir des PC. Du coup, on voulait jouer. On va chez ma soeur ce soir, donc on voulait jouer en vrai. Voilà. Puis en même temps, j'avoue, ça me fait plaisir parce que je gagne très souvent. Ouais, c'est pour ça qu'elle a acheté. Hein. Si c'était moi qui gagnais, elle aurait pas acheté. Au début, elle voulait pas le prendre parce qu'elle a cru qu'ils étaient débiles et qu'ils allaient vendre que le distributeur sans les cartes. Sachant qu'il n'y avait pas les cartes tout seul hein, dans le rayon. Donc c'est une obligation qu'il y ait les cartes dedans. Et c'est toi qui l'as ouvert? Non. Ah. En plus, j'ai fait un livre aussi. Bon, chacun son passe-temps. Elle s'est acheté un livre. Moi, je me suis acheté des batteries pour mes manettes. Voilà. Chacun son. C'est ultra slim. Et en gros, c'est un système de recharge. En gros, j'ai juste à poser la manette sur le truc et. D'ailleurs, même toi aussi. Ouais, ça. Et dedans, il y a deux batteries. Voilà. Tu vas pas montrer ton livre? Ça intéresse des fois. Hein. C'est quoi? Is it love? Carter Corp. 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 Adam. Tamara Bayana. Alors là, moi, ça vient de Claire Zamora. Ça, c'est le nom. Moi, la lecture. Laurine, on l'emmène faire les magasins, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que Laurine, elle est de la région parisienne de base. Donc il y a énormément de magasins de vêtements et tout et tout. Et ici, il n'y en a pas énormément. Et on fait le tour de ce qu'il y a. J'aime pas. Il n'y a rien. C'est pas beau. J'aime pas. Donc en gros, elle s'est pas acheté un seul vêtement. C'est... Bref. Moi vous inquiétez pas, j'ai trouvé hein. moi je trouve toujours hein. Pourtant c'est moi qui devais avoir plus de mal hein. Ouais mais t'es moins difficile que moi. Chez Kiabi, vous savez très bien, j'achète tous les vêtements de mes enfants chez Kiabi pour la plupart, sinon c'est ça c'est moi. T'as pas l'œil aussi. T'as pas l'œil H&M aussi. Ça c'est moi, j'ai trouvé. C'est Laurine qui l'a trouvé. On a voulu en acheter un pour Thaïs, genre un lot de bonnet écharpe ou même un bonnet tout seul, il y avait rien de bien. Donc tant pis, je retournerai.
Ou je commanderai peut-être sur le site, il y a peut-être plus de choix, je sais pas. Donc Winnie, je vais y arriver. Il y avait plus de 9 mois, on a pris du 6 mois, je me dis c'est un bonnet, c'est quand même élastique et tout. Enfin, je veux dire, si ça, il rentre pas sa tête dedans, c'est que c'est très grave. 12 euros. Un pull. Basique, en 6 mois. En 9 mois, pardon. 8 euros. Moi, j'aime bien faire des tenues, alors du coup, j'ai fait une tenue, quoi. J'ai pris un jean qui fait un peu habillé. En 9 mois, 7 euros. Et pour aller avec, j'ai pris une chemise. Avec un nœud papillon. Je sais pas si vous voyez le genre de matière que c'est assez épais. 12 euros. En 9 mois aussi, puisque bah, il met du 9 mois, ça va de soi. Va là-bas, Ruby. On va tout faire comme du coup, ça donne ça. Si je vais réussir à vous montrer, en gros ça donne un bon, vous voyez un peu le genre. J'ai pris des chaussettes pour Ezio et des chaussettes pour Thaïs. Alors Ezio, ça devenait urgent parce que Ezio, du coup je mettais des chaussettes à Thaïs. 4 euros, 19,22. Je suis désolée, vous entendez rien parler derrière. J'en ai pris pour Thaïs aussi, c'est des sockets. Vous voyez rien. Oups. 4 euros. Ça, je voulais absolument des bottines parce qu'elle en avait pas et du coup je l'en ai racheté. Alors je vous avoue que j'aurais dû lui essayer la taille, je suis pas sûre, ça me paraît immense. C'est du 26 et ces chaussures c'est du 26. Les dernières chaussures que j'ai achetées c'est du 26 et elles lui vont. Et là je vois ça, je me dis mais c'est immense. Après c'est pas dans le même magasin, je me dis quand même que c'était un 26 chinois, donc je pense que la différence elle y est aussi hein. Mais le 25 ça lui est trop petit, donc ou alors elle est en 25,5, mais quoi qu'il en soit ça change pas beaucoup des 26. Que là ça me choque limite en fait, ça me paraît vraiment immense. 15 euros. Toujours chez Kiabi. Je suis allée à JD Sport et je me suis pris un t-shirt que j'avais vu les jeunes filles. Un moment et je l'avais pas. Au final il est trop beau. Et là il était en promo donc du coup je l'ai pris. Au lieu de 30 je l'ai payé 25. Bon là il y a l'étiquette de base donc c'est 30, mais moi je l'ai payé 25 ce qui était en promo. Oui, 20, pardon. Pourquoi j'ai eu 25 d'ailleurs ? Je sais pas. Pourtant j'ai eu 10 20 juste avant. Non, t'as dit 25. Ah ouais ? En fait, il est les basiques. Hein. Voilà. Une commande sur Kiabi parce que c'était au moment du confinement. Donc les magasins de vêtements étaient fermés. Quoi ? T'as pas vu ? Je t'ai montré une commande pour croire que... Je sais pas, il paraît plus grand. Ouais. Il paraît grand, non? Si, un peu. Je pense que c'est du M taille de ado, enfin dans les ados. Bah, c'était un magnifique, mais. Tiens. Quand je le fais en vrai. Donc, un t-shirt. Un pull, pardon. J'y arrive pas ce soir. NASA. Alors, taille M, alors je sais pas. C'est pas même par énorme. Donc 17 euros. Il me paraît super grand. Alors attention, j'ai fait des folies. Il me paraît juste au niveau de la taille. Quoique. Non. C'est transparent sa mère. Oh, vous voyez pas, mais c'est transparent de ouf. Moi si c'est transparent, je mets pas. J'ai pris dans le rayon femme, alors je prends pas grand chose dans le rayon femme, par les basiques, genre jean simple et tout. Là j'ai fait une folie, j'ai pris. Parce que dans le rayon homme, ça me taille mal. Je suis obligée de prendre du S ou du XS dans le rayon homme. Donc ça veut dire à quel point ça taille très mal par rapport à moi. Tandis que je suis ronde et petite, c'est compliqué. Donc du coup j'ai dit je prends plus du tout de jean dans le rayon homme. Donc j'ai pris dans le rayon femme parce que je voulais du blanc. Dans le rayon ado, il n'y avait pas. Donc tant pis. Il est tout simple, mais moi je vais le trouer parce que j'aime pas quand c'est tout simple. Ouais, je vais le trouver, il faudra que je l'essaye. Sinon, il est pas mal, hein, mais. Après, tu as l'impression de voir ton sens qu'il y a une. Ouais, mais même, regarde, c'est tout petit et tout. On va essayer, mais heureusement, je peux changer si jamais ça va pas. Je suis pas convaincue.
En vrai, je suis pas convaincue. Il est beau, mais au niveau de la taille, là, je pense pas que ça va m'aller. Après, je me dis, je rentre dans tes jeans. Juste, je les ferme pas, mais c'est bon. 15 euros. Ouais, passionnant, des brassières. Je crois que c'est le truc le plus passionnant de la vidéo. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pas de coque. Parce que moi, chaque fois que je les achète, ils ont des coques, je suis obligée d'enlever les coques. Parce que moi, j'aime pas avec les coques. C'est pas confortable. Tant que je mets pas de soutif, autant que je me fasse plaisir. Oh ouais, autant que je prenne un truc confortable. Il y en a une blanche et une noire. La blanche, elle est transparente. Bah, c'est pas grave. Après, c'est pas grave, c'est en dessous. Oui, c'est en dessous des t-shirts. 7 euros. C'est tout ? Oui. J'ai pris des trucs, non ? Un jogging. Ah, oh, j'avais pas vu que c'était ça. Ah non, je restais là du ruban. C'est pas du ruban, j'ai peur, c'est du ruban. Il me paraît grand. Oui, il me paraît grand aussi. Pourtant, c'est dans le rayon femme. Il me semble que c'est dans le rayon femme. C'est écrit non, mon dieu. Non, enfin. C'est du M. De toute façon, si je prends du M, c'est que c'est enfin. Si je prends du S, c'est que c'est à homme. Si je prends du M, c'est que c'est femme. Donc femme, M, et il est plus beau en vrai. Ouais. Quand il a l'air large de ouf, si là ça baille, ça fait chelou. Un débardeur. Non, ça s'appelle pas un débardeur. Marcel. Taille M. Ah oui, ça c'est les collants pour ma soeur, on s'en fout. Bah du coup, des collants. Sachez que le collant, le troisième est gratuit. Voilà, ça vous permet de savoir. C'est juste des collants de 3 euros. Du coup, bah c'est tout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis, dis un petit mot de la fin, parce que t'as quand même pas beaucoup... Tu l'as dit tout à l'heure, je fais de la récréation, c'est normal. Bah, passez une bonne soirée. T'es gênée, hein. Et puis voilà. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.